record, et que c'était il y a quelques mois, ils ont fait 500 000 personnes dans le monde connectées simultanément. Donc sur tous les serveurs répartis, mais quand même 500 000 personnes connectées simultanément. À une heure. Il n'y a pas à dire, de toute manière, WoW, c'est, aujourd'hui, c'est la référence. Mais alors, justement, juste avant qu'on finisse et qu'on parle un petit peu des titres à venir, j'aimerais profiter de que Ludo soit là. Second Life, tout le monde en parle. Personne n'y joue. Toi, alors justement, tout le monde en parle, personne n'y joue. Justement, j'aimerais bien qu'on fasse un point là-dessus. Pourquoi il y a autant de buzz autour de ce titre? Je ne sais pas si on peut le qualifier de jeu, vraiment. Déjà, est-ce qu'on peut le qualifier de MMO? Parce que finalement, c'est beaucoup de personnes. On parlait de grandes, gigantesques chatrooms. Second Life, MMO, c'est ça. Pas MMO, RPG, MMO. Voilà, MMO. Alors, Second Life, est-ce qu'on peut faire juste un petit point là-dessus? Moi, ça me fait penser à déjà. Mais non, mais j'ai pas les chiffres. Non, mais enfin, il y en a en fait. Hein, c'est Second Life, ça fait moins de personnes. Enfin, il y a moins de gens qui jouent qu'à EVE Online. C'est-à-dire qu'en fait, Second Life, il cartonne parce que le patron de la boîte, en fait, est très très fort en termes de com. Et communique bon depuis, et voilà, c'est un très bon publicitaire. Il communique depuis le départ sur le nombre de comptes créés. Or, créer un compte sur Second Life, c'est gratuit. Tu dis ton mot de passe, t'en retiens, c'est pas grave, tu vois. Donc, tu t'en fous. Donc, déjà, c'était complètement faux. Des gens qui payent Second Life, on estime qu'il y en a 120 000 actuellement. Ouais. Et il n'y a jamais plus de 10 000 personnes qui jouent, entre guillemets. C'est déjà pas mal, simultanément. Quand même, 120 000. Mais oui, mais en même temps, 120 000, c'est rien du tout par rapport au buzz qu'il y a, tu vois. Il y a des jeux blague, qui sont... Il y a quand même un soir, sur les JT de 4 ouais. chaînes nationales, ils en parlaient, le même soir. Ouais, Julo, bah là... Mais ouais. le buzz, c'est surtout, enfin, c'est pas trop sur le nombre de personnes qui jouent, c'est sur toutes les possibilités que ça a, commercialement... Il y en a pas, parce qu'il y a commercialement, t'en as pas, dans la mesure c'est, où... C'est du vent. Il y a personne qui joue, qui va acheter des produits. Non, mais comment vous allez compter, quand même, qu'il y ait autant de personnes qui en parlent? Par exemple, on a vu au présidentiel que même sur les grandes soirées événementielles des présidents, bah, on montrait sur Second Life les QG de campagne, les 25 personnes connectées dedans. Voilà. 25 personnes connectées dedans. Mais c'est, tout ça, c'est du buzz. Regardez, on est super fou, on parle des jeux, machin. Il y a l'ambassade du Danemark, je sais plus de quel pays qui a fait son ambassade dans le jeu. Oui, c'est un énorme terrain dans le truc. Tu vas trouver des HP, des IBM, etc. qui sont dedans. Mais tout ça, ça reste une performance pour les gens qui ont réussi à convaincre ces mecs-là d'aller acheter. Parce qu'en plus, ça, c'est payant. Donc, quand tu achètes du terrain, etc., c'est payant. Et effectivement, il y a des gens qui ont gagné de l'argent avec Second Life, puisque eux ont acheté à des gros lopins de terre, entre guillemets, et qu'ils les ont revendus derrière. Mais ça reste un attrape gogo dans la mesure où c'est un énorme client IRC. Après, il y a des gens qui adorent parce que ils ont pas envie d'aller jouer à WoW, ils ont pas envie d'aller tuer les monstres, etc. Ils veulent juste se connecter, dessiner des fringues et le papoter. Je comprends complètement qu'il y a un marché pour ce produit. En revanche, le buzz qui est autour est complètement disproportionné. On est d'accord en tout cas pour dire que ça n'a rien à voir avec du jeu. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment du Sunchat. C'est un bac à sable. C'est un chat 3D. Voilà. C'est un chat en 3D, voilà, c'est un avatar. C'est un chat avec un avatar. Bon, très bien. Est-ce qu'avant de conclure un peu ce podcast, on pourrait faire un petit tour sur les titres, les gros titres à suivre dans les semaines, mois à venir? Mais carrément, moi je vais juste regarder le cas de Vanguard tout de suite. Parce qu'il y a une grosse rumeur en ce moment qui m'étonne à moitié. C'est qu'en fait, Sony serait sur le point de racheter en fait, le titre civil, donc la boîte qui l'a développé. Mm-hmm. Dans la mesure où, après le lancement qui a eu fin janvier, la population. Parler. Voilà, un lancement qui a été un peu discret, on va dire, et le titre est en train de s'effondrer en termes de nombre de joueurs, et c'est un jeu qui a été en développement pendant 5 ans, donc qui a coûté un peu d'argent, voilà, donc la société a un peu du mal à absorber le choc, et derrière, le produit est hyper orienté hardcore gamer, c'est l'antithèse de World of Warcraft, et donc ils ont vraiment été chercher un jeu très compliqué, mais l'idée de base sur le papier, voilà, l'idée... Je sais pas, enfin, moi j'ai commencé un petit peu pour essayer, j'essaye à peu près tous les MMORPG au moins temps, juste pour voir. Je sais pas. J'ai monté un perso level 10, donc après j'ai du mal. Effectivement, c'est dur. Tu vois pas trop la perspective. C'est très grand. Ils ont voulu faire un truc extrêmement grand, mais du coup qui est extrêmement vide, puisque il faut énormément de temps pour le peupler, etc. Et derrière, ils ont voulu faire un truc très très dur. Donc quand tu meurs, t'as des grosses pénalités. Pourquoi World of Warcraft cartonne? C'est que beaucoup plus grand public en fait, World of Warcraft. Voilà, t'as pas de pénalité quand tu meurs dans World of Warcraft, très peu. Alors que dans beaucoup de jeux, tu l'as. Dark Age, voilà. Aussi, tu perds des points d'expérience, pour commencer, etc. D'accord. La fantasy, ouais. Donc Vanguard, voilà. Premier titre qui a été lancé en 2007, qui lui, je sais pas s'il passera beaucoup d'hiver. Et derrière, il y a une flopée de titres. Alors, je ne sais pas de qui veut parler, par exemple, de Conan. Oui, il y a Conan. Celui qu'on entend le plus parler, c'est quand même Warhammer Online, qui était en développement pendant de nombreuses années, qui a été abandonné, qui a été racheté
par Mythic, ouais. C'est ce qu'on fait aussi l'article de Fremlot. C'est vrai qu'il m'a fait peur, je pense à d'autres personnes. Mais... Non, c'est pas Mythic le site de rencontre, quoique. Quoique, parce qu'on en a pas parlé, hein, des rencontres dans les MMO RPG quand même. Mais les rencontres dans les MMO RPG sont monnaie courante. les couples sont, se font aussi à foison. Et se défont. Et ouais. Se défont, bien sûr. Il aime bien quand ça se défait. Ludo. Non, je préfère quand ça se fait en fait. Voilà. Et pas longtemps. Et c'est respectable. Et donc, oui, tu disais Mythic, yeah, ouais, tout ça. Non, mais Mythic, oui, Mythic en fait a racheté la base, le développement de Warhammer, enfin la licence de Warhammer pour reprendre le développement de Warhammer Online. Et en fait, c'est EA, donc une carte rachetée depuis Mythic. Ouais. Donc, elle remet des sous dans Mythic. Et se met aussi donc dans le développement de Warhammer Online, qui donc se veut comme le prochain concurrent de Warcraft. Après, il y a quand même 8,5 millions de joueurs à récupérer, je suis pas sûr non plus. Oui, fait... Mais bon, c'est une alternative. Il y en a d'autres, il y a le Seigneur des Anneaux Online, ouais. Qui est sorti il y a quelques jours. Alors, vraiment, peut-être quelque chose à. Right, here we go again. Can't take a hint. You're one to talk. Huh? Woo! Well, I'll be damned. Well, I guess the way is open now. Mm-hmm. J'y joue, mais je suis un peu forcé. D'accord, pour l'instant tu n'as pas complètement acquis à la cause en tout cas. Non, pas trop, non. Non. Qu'est-ce qui va pas dans ce cas-là ? Bah, ce qui va pas, c'est qu'en fait je me fais chier. Ce qui est un peu emmerdant, voilà, effectivement. Je confirme, j'ai pas passé la bêta personnellement. C'est qui est derrière le titre ? C'est Turbine. C'est Turbine, ils ont une expérience, c'est pas eux qui avaient fait le Star Wars Online Non, Turbine c'était Assurance Call. Assurance Call, ouais. Un et le 2 qui s'était planté grave. Et voilà. Ah, d'accord. Ils ont des expériences qui ne marchent pas. Sur une mauvaise. Non, mais porte, c'est vrai, en fait. C'est bien, le pire, c'est que ça n'a pas l'air d'être un mauvais jeu, mais bon, le dernier gros jeu auquel j'ai joué, c'est World of Warcraft. Quand tu sors de World of Warcraft, c'est quand même très dynamique, très accessible, ça met la pêche, voilà, qui est péchou, quoi, même quand tu fais des combats, c'est pas... Là, tu retombes dans un combat de RPG, c'est un peu chiant. Pourtant, les systèmes sont très pompés, il y a des quêtes, on retrouve tout pareil, sauf qu'à la place d'avoir un point d'exclamation sur les PNJ, t'as un anneau, en gros, c'est la même chose, mais je m'ennuie pour l'instant. Moi, celui que je guette, par contre, c'est Chronicles of Skeldor. Un petit point juste très rapide dessus. Alors c'est comment expliquer ça, le plus gros changement c'est le système de combat par rapport aux autres qui est censé être en vrai temps réel pour le coup. C'est à dire que ça va se passer un peu à la manière d'un first person shooter. Donc faut voir comment ça va fonctionner avec beaucoup de joueurs après derrière. Mais ils ont des systèmes intéressants, ils ont un monde intéressant qui est graphiquement aussi très beau. Vous pouvez aller voir les photos sur Gameblog. Et ça change un petit peu de l'Heroic Fantasy, parce que ça, globalement, tous les MMORPG actuels, c'est un peu Heroic Fantasy à ça ressemble à de l'Heroic, l'Heroic Fantasy, mais ça s'éloigne beaucoup des canons traditionnels avec les orques, les elfes, les machins, les trucs comme ça. C'est de l'Heroic Fantasy, mais plus SF. Quoi. C'est amusant d'ailleurs que ce soit vraiment cet univers-là qui sorte le plus dans les MMORPG, même s'il y a eu des trips un peu plus futuristes. Mais les trois quarts, c'est vraiment gobelins, trolls, bah, les cavernes. Trois quarts sont, de toute façon, les trois quarts, c'est le jeu de rôle en soi. Attends, je vais juste. Juste avec Amy de Stradon, une idée qui est assez novatrice et qui est vraiment bien vue parce qu'à chaque fois qu'on commence un MMORPG, on dit qu'on peut être un héros. On peut être un. Voilà. Ouais, tout alors, force, quoi. Voilà, quand même tu s'il n'y a pas de fin, quand tu joues à Final Fantasy, tu vois, voilà, Final Fantasy, t'es en train de sauver un monde, tu vois, il se passe un truc. Alors que, effectivement, quand t'es en train de tuer ton 54e mouton dans un MMORPG, t'en as marre. Et Spellbound, justement, ils essayent de faire un truc qui est assez nouveau, c'est que quand tu crées ton personnage, il a déjà son look particulier, il a déjà une armure qui aggrave la classe. Donc ils essayent de faire un truc qui soit un petit peu différent sur déjà l'aspect visuel en fait. À part déjà il a un style, il est très stylé, mais il y a un genre vraiment très différent dans leur machin là. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. L'autre. Et du coup quand tu crées ton personnage, t'as une armure plus bête, voilà. Commence le jeu, t'es vraiment déjà au top. Après évidemment ils ont trouvé un autre système pour faire en sorte que en fait en vrai c'est une merde aussi comme d'habitude, mais parce que l'intérêt du MMO c'est de pouvoir permettre de ton personnage. D'accord, alors Julo, juste pour conclure, parce qu'après ça va devenir un podcast persistant. D'accord, non mais on me demande pas quel jeu j'attends. Non, mais écoute, je te le demande avec plaisir. À ton avis,
Et ben Shenmue Online. Et ben, oui, bah voilà. Shenmue Online est prévu pour, depuis je sais pas combien de temps. Je sais même pas s'il est sorti. Je crois qu'il s'est perdu lui ou... aussi comme Shenfa en fait. Peut-être perdu en chemin. Ouais. Et à noter également, c'est mon côté fanboy qui continue. Il y a Dragon Ball Online aussi qui a été annoncé. Et je pense que si, enfin, s'ils mettent un peu les moyens, carrément, voilà, ils font chier à faire un bon truc, ça peut être juste génial. Ouais, le design est sympa. Ouais, ça peut être vous savez qu'il y a un Ken le survivant online aussi qui arrive. Arrête. Il y avait aussi un Ghouls and Ghosts, je crois, qui avait été annoncé de la part de. En fait, ils en annoncent plein. Évidemment, ils sortent jamais. Ou alors c'est des trucs qui sortent que en Chine ou en Corée. En Corée, c'est le pays du MMO. Mais t'as un gros truc aussi qui est en train de bouger, c'est que t'as énormément de titres qui vont sortir. À mesure où ils s'orientent aussi pas mal vers des titres qui sont d'une ampleur technique qui n'a rien à voir avec un World of Warcraft, mais qui sont gratuits à jouer. Donc t'as pas d'abonnement et en fait après tu payes pour avoir certaines features dans le jeu. Pas forcément pour être puissant, etc., mais pour avoir un look. Là, je me rends compte juste, les gars, qu'on pourrait continuer encore vraiment des heures et des heures parce qu'effectivement, tout ce qui est la partie asiatique, la Corée, qui est vraiment effectivement la mec un peu du MMO, on n'a pas trop parlé. On n'a pas parlé de Lineage 2 parce qu'il y a quand même 4 millions de joueurs sur Lineage 2, qui est vraiment une alternative à World of Warcraft. Et on n'a pas parlé de Final Fantasy 11 aussi, enfin bon, en tout cas, on l'a à peine abordé. On l'a évoqué rapidement. Je sais pas que je prononce. Ça stresse un peu rarement, on devient fou. Je déteste, je sais. Alors que moi, bon, alors j'ai abandonné à chaque fois les MMO que j'ai commencé, mais par contre celui-là, et bah. T'as retrouvé peut-être un peu l'ambiance. J'ai trouvé mieux que les autres, ouais. Et notamment pour une question bien spécifique, donc j'ai le problème de pouvoir jouer avec des joueurs qui ont ton niveau, etc. Ouais, ouais. Dans Final Fantasy XI, on peut changer de job. Et donc, par exemple, tu vas être machin level 10 et machin level 5, et tu vas tomber avec un pote qui est level 5, tu vas changer de job, pouf, et tu vas pouvoir jouer avec lui et gagner de l'expérience avec lui. Ouais, mais enfin, ça t'aide pas à trouver des groupes. Hein. Non, de toute manière, je pense que attends, mais alors, la vérité, c'est que tu vas passer des heures pour trouver un vrai groupe. Ouais, et que ça, si en plus tu tombes sur un groupe de merde, tu vas perdre ton niveau en allant faire ton donjon et tu vas te retrouver deux niveaux en dessous. Mais ça, c'est pareil dans tous les MMO. Non. Ah bon, dans WoW, tu peux gagner de l'expérience si tu groupes avec un groupe de merde. Ouais, t'en perds pas, mais bon. Bah voilà, donc moi tout ce que je vois en fait, c'est du temps et de l'argent, bon, l'argent virtuel bien sûr. C'est que globalement, en tout cas, toutes les personnes qui ont touché à World of Warcraft, ça on peut pas dire le contraire, bah, sont assez unanimes sur le jeu. Alors après, bien évidemment, attention, il faut pas en dire tout son temps. Sont ceux qui jouent avant le garde. Voilà, voilà. On va dire ça. Bon, en tout cas, c'était un point qu'on a essayé le moins diffus sur les MMO RPG. Je pense qu'on y reviendra forcément à un moment ou à un autre parce que c'est quand même une grosse actualité, ça change beaucoup et ça devient un pan entier du jeu vidéo aujourd'hui, hein, on peut pas faire autrement. Et puis surtout ça va vraiment arriver sur les consoles next-gen qui maintenant sont vraiment toutes reliées online. Et puis on parle même par exemple Home sur PlayStation 3 qui est pas vraiment un MMO RPG mais qui est un second life, qui est une sorte de second life, donc l'aspect communautaire. Donc il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est surtout que quand tu t'engages sur un MMO bien souvent et tu commences à y jouer, bah tu joues plus au reste quoi. C'est ça. Ouais. D'ailleurs c'est un problème pour l'industrie, c'est forcément un problème, parce que depuis que WoW est sorti, je sais pas, il y a des jeux qui ont dû arrêter de se casser la gueule. Je crois que c'est Electronic Arts qui avait mis dans ses forecasts qui était à la baisse. Dans les raisons, il y a plein de raisons. Et dans une raison, il y avait World of Warcraft. C'est pour ça qu'ils s'investissent dans De toute façon, pour moi, le business sur PC à terme va passer par une grosse part de MMO. Parce que de base, t'as pas le stress de savoir combien d'argent tu vas gagner le mois prochain pour un éditeur, puisque eux ils voient leur base, ils peuvent faire des forecasts sur plusieurs mois, et en plus t'as pas de piratage. Et ça c'est hyper important sur PC. T'as zéro piratage sur ce truc là. Personne n'a encore réussi à pirater. Le seul truc que tu peux faire c'est avoir des serveurs pirates, mais c'est hyper compliqué, etc. Et puis tu joues tout seul, tu vas faire. Tu vas jouer avec ça, c'est intéressant. Bon bah là vous m'avez convaincu, franchement. Allez, d'ici peut-être un petit mois et demi ou un truc comme ça, on fera un deuxième podcast sur les MMORPG. On a parlé des filles aussi, parce qu'il y a quand même. Mais ouais, on voulait aborder ça, la drague dans les MMORPG, c'est essentiel. Et là je vous annonce direct que Julien C va se mettre à un MMORPG. Alors tout ça en même temps, attends Ludo. Non mais je sais que dans ma guilde on est facilement entre 30 et plus de 30% de filles. Mais c'est ça, ouais, c'est des styles de jeu. C'est quoi ta guilde? C'est Vindilisme sur le deal, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, et voilà, tu viens de trouver 5000 membres d'un coup. Si vous voulez rejoindre Ludo et puis il prend que les filles, c'est sur Vindilisme. Non mais ça c'est très intéressant aussi, hein, de voir à quel point il y aura un débat à voir. Ouais, ouais. Les filles kiffent les MMO RPG. Il y a une population. D'ailleurs on a vu des vêtements et tout, c'est classe. Elles peuvent être pas mal alors qu'elles sont femmes en vrai. Mais voilà, non mais ça serait bien dans elles peuvent même se marier. Si elles n'y arrivent pas dans la vraie vie, elles peuvent toujours se marier dans Et puis voilà. Tu devrais faire ça, on a invité une et lui demander si tu manques comment dans les MMO. C'est intéressant à voir. Bah écoute, Ludo, tu nous trouves une petite nana de World of Warcraft. Bah bon,
pas un problème pour toi. Et puis on va faire un petit podcast là-dessus. Bon, et ben en tout cas, nous on vous dit au revoir, on vous dit à la semaine prochaine avec d'autres thématiques comme ça qui s'improvisent à l'air du temps. Jouez bien, à très bientôt, ciao ciao. Salut, ciao, ciao. Ciao. Et bienvenue sur Gameblog pour ce 13e podcast. Et ouais, 13e, est-ce qu'il nous portera chance? Je ne sais pas. En tout cas, il va nous permettre d'inaugurer une nouvelle grande thématique ensemble. On a appelé ça les grands noms du jeu vidéo. Ça va nous permettre de passer en revue un petit peu les stars du jeu vidéo, les créateurs, ceux qui nous font vibrer depuis moultas d'années. Alors pour ça, je suis entouré de Julo. Bonjour Julo. Salut. Angel. Ouais. Ah, y'a pas une petite trace d'habitude? Ou à la fin? Yavol. D'accord, ok, si tu le dis. Et Kaf aussi qui est parmi nous. Salut. Bon, alors, pour inaugurer cette première thématique avec les grands noms du jeu vidéo, comment faire autrement que de parler de Shigeru Miyamoto? Shigeru Miyamoto, la face émergente de Nintendo, l'homme par qui tous les miracles de soit de Mario à Zelda, à Donkey Kong, en passant par Kirby, ont été créés. Alors pour ça, on va se plonger un petit peu dans quelques chiffres tout d'abord, savoir que Shigeru Miyamoto, japonais de son état, est né le 16 novembre 1952, que ça lui fait donc aujourd'hui à peu près 55 ans, et que ça fait quand même déjà plus d'une trentaine d'années qu'il nous fait rêver. Julo, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la jeunesse, de ses premiers travaux, avant même d'arriver, je crois, au sein de Nintendo? Ouais, alors tout d'abord, je voudrais préciser qu'il est venu à Sonobe. Voilà. Ou si tu sais, toi qui es japonais. Ça fait partie de la préfecture de Kyoto. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une ville qui n'existe plus. Ah bon? Voilà, parce que c'était. Donc il est né à la campagne. C'est vraiment. Il avait des paysages verdoyants tout autour de lui. Voilà, tout à fait. Et cette ville, comme trois autres, ont été rattachées à une entité qui s'appelle maintenant Nantan. Et qui fait toujours partie évidemment de la préfecture de Kyoto. Voilà. Cette parenthèse étant fermée désormais. C'est phénoménal. En tout cas, ouais, c'est vraiment intéressant puisque là tu parlais de la campagne, on reviendra dans quelques temps sur la campagne parce que ça a joué un rôle très important. Exactement, ça a son importance. Ouais. Dans le processus créatif de ce monsieur. Alors, celui qu'on appelle le Spielberg du jeu vidéo parfois, il a commencé à 17 ans par intégrer un collège, celui de Kanazawa Municipal Arts and Craft. Et c'est pas du tout allemand. Quand tu le dis, c'est déplorable. Ya. Tu fais un peu comme ça. Mais en tout cas, il avait, à la base, il a pas du tout suivi une formation de créateur de jeux vidéo, mais plutôt une formation de designer industriel. Ça n'existait pas en même temps à l'époque, les formations de jeux vidéo. Clairement, mais en tout cas, le cursus est assez étonnant. Et alors, pour la petite anecdote, est-ce que vous connaissez sa première création, on va dire? Pas du tout. La Joconde. La Joconde, ouais. Non, Angel. Et c'est hallucinant, franchement, ce mec, son premier travail suite à ce diplôme, ça a été de designer des porte-manteaux en forme d'éléphant. Alors, c'est énorme. Ça donne le ton directement un petit peu de. Mais il en a fait un, il devait être designé, c'était une thématique. Plein. Je ne sais pas. T'imagines, parce qu'au bout d'un moment, ça va être dur quand même. Un porte-manteau en forme d'éléphant, je sais pas, on pose ses fringues sur la trompe ou d'autres choses. C'est assez chaud. Ou d'autres choses, on est d'accord. En tout cas, suite à ça, quelques années plus tard, très rapidement d'ailleurs, il est embauché par Hiroshi Yamauchi, le grand créateur de Nintendo, en 1977. Julo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, tout simplement une petite anecdote. Il faut savoir que au sortir du collège, enfin de l'université, il a obtenu cet entretien d'embauche avec Yamauchi par le biais de son père. C'est ça, ouais, copinage, déjà. Exactement, son père était son père était copain avec Yamauchi. Avec Bolloré. Voilà, donc il lui a dit, écoute, tu veux pas recevoir mon fiston, etc. Il a fait un entretien d'embauche et c'est là qu'il a été embauché. Apparemment, on dit que Yamauchi aurait été subjugué. Tout par son par son désir créatif. Ouais. Il lui a présenté le porte-manteau. Oui, parce que en plus d'ailleurs, il a pas été directement il a pas commencé par un stage. Hein. Il était directeur artistique d'entrée de jeu quand même. Moi d'après mes sources, c'est plutôt il était staff artiste. Voilà. Oui. Donc ce qui n'est pas exactement Chose, il n'était pas plutôt, directement. Et surtout qu'à l'époque, il faut savoir que Nintendo n'était pas encore la société qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient donc dans les jouets et surtout dans les jeux de cartes qu'on appelle Hanafuda au Japon. C'est les jeux de cartes traditionnels japonais qui sont encore joués aujourd'hui par les Yakuza. Ouais. Il paraît. Mais c'était pas les fournisseurs du jeu de cartes justement de la famille royale pendant des années?
parce que c'est ça en fait Nintendo, pour ce que tu disais créateur, il y a beaucoup de choses, en fait la boîte elle a des centaines d'années. Ah bah, bien sûr, ouais, la boîte est voilà, hyper, juste pour les gens qui vont dire non, c'est pas créateur, c'était le créateur de Nintendo, le fondateur. Créateur de Nintendo. Nous réécouterons cela au ralenti. Hein, mais en tout cas, non, mais si bref, je me rappelle bien, c'est en plus Nintendo à la base, c'est une boîte hyper respectée à cause de cette. L'aspect fournisseur officiel des jeux de cartes. Ouais, puis, de en tout cas, à ce moment-là, et Nintendo, donc, même avant ça, ils vendaient du riz, enfin, il y a une histoire autour de tout ça, pour d'hôtels de passe, hein, je rappelle. Ah Nintendo, bon, au tout début, de manière un petit peu. La plomberie, ça remonte alors. Voilà, donc Nintendo, c'est quand même une société centenaire. Pendant qu'on faisait. C'est royal, si tu vois ce que je veux dire, ça sert de l'eau. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Tout à fait. Mais c'est de l'eau, franchement, faut qu'on ait, on est inquiet. Donc revenons à Shigeru Miyamoto. Donc, parmi ces premiers. Donc, en tout cas, à ce moment-là, donc on est dans les années 70, il a 18 ans. Je n'ai pas le temps. Voilà, tout à fait. Donc à ce moment-là, Nintendo n'a pas encore démarré dans le jeu vidéo. Voilà. Et donc ce qui va se passer ensuite. Que se passe-t-il donc ? Qu'est-ce qui va se passer pour Shigeru ? Alors, donc il est staff artiste, ouais. Et il est censé designer des trucs, des cartes, en l'occurrence. C'était vraiment très intéressant. Et donc, non, il faut savoir que donc à ce moment-là, t'as Nintendo qui prépare sa première console de jeux vidéo, qui n'est pas la NES, qui est la Color TV Game 6. Ouais. Voilà, qui a été fait en partenariat avec Mitsubishi. 1912, là. Oh, putain, je une sorte de perte du public en ce moment. Je sais pas, restez avec nous, vous allez voir. Merde, alors attends, bon, ok, je te laisse. Je te passe le relais. Julien, reprends sur les putes. Top de l'anecdote, on est bien, attends. Et donc, non, mais voilà, tout simplement pour dire que c'est vraiment, il arrivait pile au moment où Nintendo démarrait son business jeu vidéo. Comme quoi, ils ont connu un grand succès avec cette console. Toujours un petit peu de chance. Bon, en tout cas, au Japon. Pour parler donc directement de Shigeru Miyamoto, son premier titre vraiment, ce qui va le faire exploser, c'est Donkey Kong, c'est en 1981, donc quelques années après être rentré dans la boîte. Effectivement, on l'a vu, il a designé d'autres petites choses avant. Alors, Donkey Kong, c'est un succès phénoménal en arcade. Il faut savoir que le jeu, il l'a bouclé très 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 vite, hein. Ça a eu 3 mois de travail seulement pour mettre un petit peu en branle tout le processus créatif. Et avec le succès qu'on connaît, et avec l'introduction d'un personnage qui deviendra culte plus tard, c'est Mario. Sauf qu'à l'époque, il ne s'appelait pas Mario. Et Donkey Kong, bien sûr. Et Donkey Kong, bien évidemment. Et Mario qui s'appelait Jumpman. Jumpman. Et Jumpman. Et la princesse. Et là que tout le monde fait l'erreur. Voilà, ce n'est pas la princesse. Elle s'appelle Pauline. Et ouais, Pauline. Voilà. Elle était brune d'ailleurs. Elle était brune. Elle était brune. N'oubliez pas quand même, il y a quand même un élément hyper important qu'on va retrouver pendant des années, et même encore maintenant, les tonneaux. Et les gens qui sautent. Et les gens qui sautent. Et ça, c'est lourd. Et donc, ouais, moi je voulais juste ajouter. Donc, Donkey Kong, il faut savoir qu'il a été fait dans l'urgence, vraiment. Et que il a. Donc, on peut dire que Miyamoto, quelque part, a sauvé la branche américaine de Nintendo qui venait d'être fondée à ce moment-là et qui était dans le business de l'arcade, un business florissant aux États-Unis à ce moment-là. Et donc ils ont eu un problème avec leur bande d'arcade là-bas qu'ils n'ont pas réussi à approvisionner assez vite du Japon aux États-Unis. Donc ça a perdu complètement la hype. Et il a fallu en fait adapter tous les cabinets d'arcade. Les bornes, ouais. Oui, non, mais ça peut s'appeler. En américain, ça s'appelle le cabinet. Ils ont adopté les chiottes. Ils ont adopté les chiottes et tout pour que ça aille plus vite. Sur la base de tout. Pour que le roulement soit plus rapide et tout ça, ils ont adopté les chiottes. C'est juste un onglet à la base, je sais pas. Voilà, tout à fait. Jamais des recours en français. Oui, mais arrêtez, parce que sinon on le perd. Si vous coupez la vibe, je peux pas. Et donc où en étais-je? Tu parlais des chiottes. C'était sur les gogues. Voilà, vous connaissez les toilettes japonaises d'ailleurs, c'est fantastique. Oui, il se passe d'autres trucs. Ouais, alors Donkey Kong, voilà. Il a sauvé la branche. Il a sauvé la branche américaine parce que donc pour remplacer ce jeu d'arcade qui commençait à faire un bide, il a dû créer ce jeu en urgence, donc il a été propulsé en fait producteur à ce moment-là. Épaulé évidemment par des programmeurs, il y connaissait absolument rien. Ah, que dalle. Mais vraiment absolument rien, on était designer. Lui il supervisait vraiment. Ouais, mais il a pris donc conseil auprès de tous les gens qui étaient programmeurs à ce moment-là chez Nintendo, etc. Mais il a vraiment pris le projet à bras le corps et il a créé donc Donkey Kong qui a sauvé la branche américaine. Donc évidemment, succès immédiat, le succès qu'on connaît, ça a été juste énorme et voilà. Ouais, mais justement, ça c'est intéressant parce que finalement, on verra au fur et à mesure de ce podcast que.
Shigeru Miyamoto n'est pas un technicien à proprement parler, hein. Jamais il a mis entre guillemets les mains dans le cambouis. C'est plutôt l'homme qui a les idées au sein de Nintendo et qui n'hésite pas d'ailleurs à tout recommencer à zéro. On le verra un petit peu plus tard avec une série de surnoms qu'on lui donne au sein de Nintendo qui sont assez révélateurs et plutôt rigolos. Alors une année plus tard, en 1982, et ben là c'est quand même l'arrivée du monstre, du colosse de chez Nintendo, celui qui... Le jeu qui pendant très très longtemps est resté le million seller ultime, le jeu le plus vendu dans le monde, c'est Mario Bros. C'est la saga des Mario avec les deux frères, hein, Luigi et Mario. On reviendra d'ailleurs dans d'autres podcasts sur la genèse des Mario. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'était juste l'euphorie. Il y a une princesse qui s'est fait en fait. Ah bah ça, au niveau du scénario, on est d'accord. Non mais vraiment, d'ailleurs ça a commencé en arcade en fait, hein. C'est pas, oui, tout à fait, ouais. C'est pas le jeunesse dont on est en train de parler. Mario Bros. Le jeunesse, en arcade, c'est arrivé en 85, 3 ans plus tard. D'accord, ouais, tout à fait, Super Mario Bros. Super Mario Bros, voilà, c'était cette super. Reprise avec... à la Donkey Kong. Alors ensuite il y a eu Duck Hunt qui arrivait juste avant le Mario, le Super Mario Bros sur NES, donc en 85 aussi. Et donc vraiment c'est avec l'explosion de la NES, la première on va dire vraie console de salon développée par Nintendo, puisque c'est elle qui a vraiment rencontré le plus gros succès, et ben c'est le début de toutes les séries finalement, puisque 2 ans plus tard on voit l'arrivée de Zelda. C'est vraiment le moment où il y a eu le plus gros processus créatif au sein de Nintendo, et c'est là où ils ont créé en fait toutes les grosses licences. Les Mario, on les Zelda, tout, ouais. Voilà. C'est vraiment, c'est, oui, on fait toujours. On est assez d'accord. Duncan, Duncan, oh, bah, qui revient d'une manière un petit peu détournée sur Wii, avec les espèces de plates qu'on tape, avec le petit canard qui passe en guise d'allusion. Là, je pense qu'on peut glisser assez rapidement sur les principaux titres. Donc après, ça a continué. La Super Nintendo nous est arrivée en 91 avec Super Mario World. Il y a Super Mario Kart, finalement une licence nouvelle en 92. Arrivé. Enfin, nouvelle, tu tournes toujours autour de Mario quand même. Oui, mais enfin d'un autre côté, Nintendo plane à ce stade déjà assez, pour, assez rapidement autour de Mario quand même. À ce stade, pour recentrer sur Miyamoto, ouais. On peut déjà dire à ce moment-là, même avant Mario Kart, qui vient de citer, au moment où j'ai fait Duck Hunt, le Mario, le Zelda, etc., on peut se dire quelque part que Miyamoto, c'est lui qui a réellement construit le succès, tout le succès de Nintendo. Quoi. C'est sur ses épaules et sur ses créations que repose. Tout le succès Nintendo. D'ailleurs, je crois qu'en anecdote, Shigeru Miyamoto n'était pas crédité exactement Shigeru Miyamoto exactement, au début ouais. Du premier jeu. Ouais, ouais, aux États-Unis en tout cas, parce que donc, comme chacun sait, les noms japonais s'écrivent avec des caractères qu'on appelle des kanji, des idéogrammes. Donc dans Miyamoto, Moto peut être prononcé comme tous les kanji de différentes manières et notamment Hon. H-O-N. On va perdre. Ah ouais, c'était non, c'est passionnant. Mais, bon, enfin, tout ça pour dire que. Moi, je kiffe, moi. Voilà, merci. Merci, Julien. J'apprends des choses. Je reste à la Suisse. Donc, il était crédité dans les jeux américains comme Shigeru Miyahon. Miyaho. Voilà. Donc et là, c'est... franchement, ça a changé. Non, mais attends. Est-ce qu'il y a des fautes de traduction dans les noms, on va dire, occidentaux? Jamais. Donc là, c'est assez amusant que cette personne qui finalement est fondateur de beaucoup de choses qu'on connaît dans l'histoire du jeu vidéo, finalement, au début, il était prédité avec son vrai nom, quoi. Un peu chelou. Ouais, Julo. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que c'est devenu. Ah oui, c'est amusant, ouais. Ce qui est amusant, c'est que c'est devenu. Apportez-moi une arbalète. C'est devenu un de ses surnoms chez Nintendo. Ah, on va arriver sur les surnoms d'ailleurs. Donc justement, Julo, parce que là, je crois que t'as quelques informations assez croustillantes que franchement, moi, je ne connaissais pas du donc, tout. Donc chez Nintendo, il y a un truc qu'on appelle donc le Miyahon Check, le check comme en anglais, et en fait, en gros, c'est l'approbation de Miyamoto, quoi, que tout le monde doit redouter un peu, j'imagine. C'est-à-dire, il passe derrière une fois qu'il y a eu tout un processus de création et il fait son check. Il dit si ça va, si ça va pas, et comme on sait. Miyamoto, il est capable de tout et même de recommencer complètement un jeu qui a été fini, tu vois, qui recommence complètement, quoi. Mais alors justement, ouais, ça c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, hein. On le sait, et ce qui a causé parfois des gros retards sur des titres très attendus, des Super Mario 64, et puis, Zelda. Le Zelda. Nintendo 64, donc Ocarina of Time, a été repoussé, on s'en souvient, maintes et maintes fois. Ouais. Et c'était Miyamoto qui derrière voulait absolument, il a recommencé plusieurs fois, mais... je veux dire quasiment complètement le jeu pas satisfait par certains aspects, il préférait tout recommencer. Ouais, mais alors justement là tu nous as dit dans son surnom il nous explique qu'il peut tout recommencer, mais en français ça donne quoi la traduction littérale? Ouais, alors c'est un autre surnom, ouais. Il y en a combien? Non, c'est le deuxième, donc après le Miyamoto check, donc ça c'est le check de Miyamoto.
t'as le Chabudai Gaeshi. C'est quoi ça? Donc ça, c'est littéralement renverser la table de thé. Ah bah. Voilà. Alors définitivement, je suis en train de regarder sur ma gauche et je vois Angelica en endormissement total. Et pourtant, je ne comprends pas. Moi, je kiffe. Non, mais attends, non. Attends, je suis. Il renverse des tables de thé. Laisse tomber. Moi, je suis. Non, mais il y a toute une symbolique derrière. Alors voilà, on comprend l'image et en fait, c'est tiré à la base, c'est tiré d'un manga. Ouais. Voilà, un manga culte au Japon. Ouais, Kyojin no Mushi, c'est l'étoile des Giants. Si, c'est un super manga. Un jeune gars qui fait du baseball, côté, ça marche, son père a été blessé à la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin bref, on se fout un peu aujourd'hui, mais d'accord. Voilà, donc en tout cas, ça vient de ce manga. Et donc, renverser la table de thé, évidemment, tout le monde a compris, c'est donc tout recommencer. Voilà. Alain Decaux raconte, et ben tu nous mettrais une belle petite musique. Je vais vous trouver un truc. Ouais. On va là pour ce deux tours. Voilà. Et d'ailleurs, bon. Non, pour la anecdote, on ne peut plus arrêter. C'est parti. Non, mais pour. Ça me fait penser, il faut que j'aille noir, mon chat. Rendre des vidéos. Non, je voulais parler de d'un jeu oui. qui s'appelait voilà, Twinkle Popo. Twinkle voilà. Popo. Exactement, Twinkle Popo. Qui alors là, par contre, j'ai perdu l'année, je ne m'en souviens plus. Uh-huh. Voilà, qui était complètement fini. Voilà, un jeu complètement fini. Qui avait déjà 26 000 réservations au Japon, ouais. Donc qui était promis un certain succès. Et Miyamoto a acheté un œil là-dessus et a dit dis donc c'est voilà c'est non il, au contraire il a dit c'est vraiment pas mal comme jeu mais avec il y a du potentiel mais voilà mais avec 2-3 changements ça peut être un très très grand jeu donc ouais. Twinkle Popo est devenu quelques années plus tard Kirby's Dream Land et qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Attends, en gros, un jeu qui aurait pu être à chier est devenu bien quoi. Bah il était pas c'était a priori pas à chier mais en tout cas bah j'imagine si c'est Kirby ça va être sur la NES. C'était je sais plus. Il y en a un sur Game Boy ouais. Noir et blanc en fait. Mais le tout premier Kirby, c'est plutôt l'arrivée de Kirby. Sur la première Game Boy, celui-là il m'a sauvé la vie au service militaire. Je peux vous le dire maintenant. T'as fait le service militaire toi? Non justement. Alors, Miyamoto, notre ami qui inaugure ses grands. Une fois ça devient intéressant sur Game Boy. Attends, j'étais quand même le plus applicatif, il fallait que je me fasse. On comprend mieux certaines choses. Et voilà. Je suis T4 aussi. Alors. On va resituer un petit peu le débat, hein, dans son contexte historique et politique. On cite quelques grands noms, bien sûr, hein, les Mario, les Zelda, les Kirby, il y en aurait tellement, les Donkey Kong, les Duck Hunt, les Pikmin. Ah, bah justement, en parlant de Pikmin, tout à l'heure tu nous disais qu'il est né, je ne sais plus exactement où, dans une ville qui n'existe plus. Voilà, Sonobe. Sonobe, qui était très bucolique, à côté de la campagne, etc. Exactement. Bah, ça joue son importance, puisque justement, on va parler un petit peu, quelques anecdotes sur le processus créatif entourant la création de Pikmin. Il y a deux choses. Il y a tout d'abord le nom Pikmin. Oui. On sait que Shigeru Miyamoto est un grand joueur de banjo. Et que donc pour ça, bah, il a besoin d'un. Maintenant, on le sait, hein, grâce à Gameblog. Ouais. Joue de la guitare. De la guitare, et que donc il a besoin d'un médiator. Un médiator, ça s'appelle Pic en anglais. Et que son nom, le nom de son chien, parce qu'il a un chien, Shigeru Miyamoto, il l'a appelé Pic. Et que c'était en hommage à son chien qui cherchait aussi dans son jardin des petites bestioles, qui avait toujours le museau dans l'herbe, et bien qu'il a commencé à s'intéresser à Pikmin. Comme un chien, si tu préfères. Non, j'ai dit comme un chien. Donc, en fait, Shigeru Miyamoto s'inspire énormément de son vécu propre pour créer ses jeux. Tout à fait, ouais. On peut dire que pas mal de ses jeux sont autobiographiques. Et Ah bah dans Pikmin, tu fais rien pousser. Ouais. Ce sont des petits personnages. Voilà. En tout cas, Pikmin, c'est un des derniers jeux sur lequel il a été complètement investi. Complètement investi. Début à la fin du processus, avec ses idées, ses envies. Bah, c'est ça, ouais, parce qu'il a quand même au final. Le 1 ou le 2? Non, les deux, ouais, Pikmin. Ouais, mais principalement le premier, vraiment. Bah, après, je sais pas sur le deuxième si c'est laisser la main, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas le chrono en fait, il n'y a pas le compte à rebours. Et moi, dans le premier, je supporte, ça me stresse en fait. Ouais. Je peux vous le dire, ça me stresse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand même, il aura. Shigeru Miyamoto aura supervisé plus d'une centaine de jeux quand même depuis qu'il est rentré chez Nintendo. Et je te dis bien supervisé. Parce que dans l'absolu, en fait, il s'est pas intéressé. Enfin, il a pas créé fondamentalement de concept depuis Pikmin. Sauf que depuis, il est en train de changer un petit peu. C'est moins. Ah!
saved us again. Yeah. You want to help us? Oh, it's gone. Let's just count our blessings. The way's clear. Right. Mm-hmm. Go.